Comme pour chaque saison, vous avez la possibilité de débloquer un planeur en récompense si vous arrivez à faire un top 1. Alors le planeur en question, c'est le paracycle. Alors je sais pas si je le dis bien, mais personnellement, je le trouve pas très stylé. Après, il est très original, ça franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais voilà, je ne sais pas, je le trouve pas si ouf que ça. Mais on va quand même le tester en jeu pour voir ce que ça donne. Et on va essayer d'entendre s'il y a un bruit de moteur, parce que bah, apparemment c'est un moteur accroché à une roue. On va un peu voir l'animation du planeur et on va voir si il émet un petit son ou pas. Ok, donc c'est parti, on remercie le chauffeur du bus. J'ai augmenté le son de mon jeu et là, boum. Ok. Ok, on n'entend pas le bruit du moteur, on entend justement un grincement. Ah si, on l'entend légèrement le bruit du moteur. Et on entend aussi un grincement. Donc je pense que c'est la roue qui tourne dans le vide. Hein. Je sais pas trop ce que c'est le grincement. Mais voilà, franchement, ça va, il est bof quoi. Franchement, il est bof. Il a rien de très spécial, il est juste très original. Ça franchement, il n'y a rien à dire. Mais après, voilà, c'est pas le meilleur parapluie qu'on a eu de top 1. Par contre, si vous voulez le débloquer, il faudra faire un top 1. Et si vous avez de la difficulté à faire un top 1, moi, ce que je vous conseille, c'est de lancer une partie uniquement contre des bots. Là, vous êtes sûr de pouvoir réaliser votre top 1 facilement. Donc, si vous ne savez pas comment faire, il y aura une vidéo en description, en commentaire épinglé, qui vous explique comment faire une partie uniquement contre des bots. Donc, n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse.